RMC. Tout a commencé là, quand mon avion a décollé. Pareil pour le décollage. Pareil. Midi 14h, Radio Brunet. Mesdames, messieurs, nous allons atterrir dans quelques instants. Le français de l'étranger. Mais bonjour, mon cher Fabrice. Bonjour, Eric. Alors là, quelle heure est-il en Californie, s'il te plaît? 5h-5. 5h-5 du quoi, là? Je suis perdu. 5h-5 du matin? 5 du matin. Du matin, ah. Oui. Mon réveil va sonner dans 5 minutes. Oh la vache. Attends. Donc, tu t'es levé pour Radio Brunet sur RMC, là? Eh oui, Eric. Hein. Bon. Tu me crées des problèmes dans mon couple parce que ma femme n'est pas toujours d'accord avec toi et moi assez souvent. Ouais. Et là, tu me fais me lever le matin. Ouais. Elle est là, ta femme? Tu veux me la passer, non? Non, elle est en France. Elle est en France. Je crois qu'elle est en Suisse. Là, en plus, en elle soir, est en Suisse. Voilà. Elle est en train de planquer le pognon que tu gagnes en Californie. Voilà. Écoute, j'aimerais bien, mais non. Qu'est-ce que tu fais alors? D'abord, qu'est-ce que tu fais comme métier? Je suis ingénieur de formation et je suis directeur qualité dans une grosse société française. D'accord. Profil quoi? Tu peux balancer le nom? Non, je ne peux pas balancer le nom parce que justement, on a des règles de communication assez particulières. Donc, je ne peux pas donner le nom de ma société d'accord. à l'antenne. Donc, où habites-tu? J'habite à Irvine, à 60 km au sud de Los Angeles, c'est dans le comté d'Orange. Mmh. C'est ce qu'on appelle la bulle ici, la bubble, parce que tout est propre, tout est carré, tout est normé en fait. D'accord. Irvine, c'est au bord de la mer? Irvine, on est à 15 minutes de la mer. On est à 15 minutes de la mer. C'est une ville de la taille en termes d'habitants de Nantes que tu connais très bien. Ah oui. Donc voilà. Et dis-moi, quand tu regardes par la fenêtre, bon là il fait nuit, il est 5 heures du mat, mais quand tu regardes par la fenêtre, qu'est-ce que tu vois? C'est des petites maisons façon Desperate Housewives. C'est quoi le biotope? Alors c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Et moi j'appelle où j'habite. De Truman Show, en fait. Voilà, c'est vraiment ça, oui. Ouais. Et tu es de quelle région en France? Alors, originellement, je suis de Paris, mais sinon, avant de venir en Californie, je vivais en Normandie, en Haute-Normandie, à côté de Rouen. Ouais. Dis-moi, mais là tu es quand même à 60 km au sud de Los Angeles, t'es dans le grand sec, là. Il fait sec, c'est chaud, c'est aride, non? Ah non, on a eu une année catastrophique en termes de météo. Il n'a jamais autant plu dans le sud de Los Angeles. On n'a pas arrêté, tout est vert. Ça veut dire que la Californie a refait ses réserves d'eau parce que ça faisait des années que c'était devenu très sec. Même le lac Powell, qui était la grosse réserve d'eau des centaines de kilomètres, était en train de baisser de 10, 15, 20 mètres ce lac depuis des années. Ça veut dire que vous avez refait vos réserves d'eau? Non, malheureusement, on en consomme plus qu'il en tombe. Donc, malgré toutes les pluies, non. On a quand même une activité fermière assez intense en Californie qui est très consommatrice d'eau. Ouais. Non, on aura du mal à les refaire. Il faut qu'il pleuve beaucoup plus pour pouvoir refaire les réserves. Qu'est-ce qui te manque le plus de la France? Eh bien, c'est des petites choses. Des petites choses, ma femme, elle le partagera, des lardons, des simples lardons ou un bon pâté au cèpe sur une baguette de pain avec un cornichon. Eh bien, ça, c'est du 3 étoiles au Michelin pour moi. Donc, c'est des petites choses. Mais pourquoi tu étais tout seul, là? Pourquoi ta femme est restée en Europe? T'as qu'à la faire venir. Ah non, elle n'est pas restée en Europe, en fait. Elle est en vacances en Europe. Ah, d'accord. Ah oui, d'accord. Elle est en vacances en Europe. Non. Sinon, elle est en vacances en Europe. Parce que les vacances ont commencé depuis 3 semaines ici. Donc, les enfants sont en Europe pour les vacances. De quoi on parle le plus dans l'actu, là, aujourd'hui, aux États-Unis, en Californie? Il y a la primaire démocrate qui occupe pas mal les news en ce moment, et surtout les batailles commerciales sino-américaines ainsi que la Corée du Nord, parce que Trump a fait un grand pas en Corée du Nord récemment, donc ça alimente pas mal l'actualité. Bien, et ben écoute, mon cher Fabrice, directeur qualité en Californie pour une société française, il est 5h du mat. Tu vas travailler ou tu te recouches là?
C'est le 4 juillet aujourd'hui. Donc, ah oui, j'ai oublié de te le dire. Mais bien sûr, c'est le 4 juillet aujourd'hui. C'est quoi donc? C'est Independence Day. C'est fête nationale. C'est Independence Day aujourd'hui. Tout tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Je vais aller avec des amis québécois. On va faire un barbecue tout en regardant des feux d'artifice et profiter du folklore du 4 juillet. Ah oui, bien sûr. Tout est férié, tout est à l'arrêt aux États-Unis. Non, justement, non. On n'est pas en France. C'est au ralenti. L'Américain travaille le jour de l'Independence Day. T'imagines, en France, si c'était l'Independence Day, je crois qu'on en aurait 3 semaines de vacances. Salut Fabrice. Mais c'est pas possible. Mais c'est vrai.